Voilà, pour les gens qui veulent se faire de la thune, bah je... Ouais, si je la mets sur YouTube, bah vous saurez comment faire de la thune. Voilà. Avant ça, vous devez farmer des points de prouesse. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quelle voiture et vous driftez sur la map. Vous défoncez des cactus et vous allez voir que vous allez vous faire des points de prouesse. Tu vois. Parce que oui, c'est oui, moi j'ai une autre méthode pour farmer les points de prouesse. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça d'ailleurs. D'abord, on va acheter une ou deux bagnoles. Voilà. Et d'ailleurs, testez-le de votre côté si ça n'a pas été patché. Si ça a été patché, bah, je retirerai la vidéo si ça a été patché récemment. Si ça a été patché il y a un ou deux ans, bah. Oh, je sais pas, peut-être je la laisserai pendant un petit temps, mais si je vois que ça a été patché. Voilà, parce que les développeurs, ils cassent vraiment. Je préfère me prévenir. Mettre un disclaimer dans la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Je préfère me prévenir. Hein. Vous allez dans amélioration. Maîtrise de voiture, qui est vers la droite, c'est ça? Et là, vous faites le même chemin que moi. Vous ne prenez pas la manette. Parce que regarde, ça coûte 25, ça fait un peu cher. Hein. Voilà, vous faites exactement le même chemin. Et après... Ah oui, d'ailleurs, il faut regarder combien de points de prouesse que vous avez. Si vous en avez 100 ou 200, vous pourrez vous faire... Un petit kiff et un petit plaisir. Et si vous avez 999, alors là, vous aurez beaucoup, mais beaucoup de super wheel speed, les gars. T'as très bien entendu. En plus, ça coûte pas trop cher pour en avoir. Alors, si vous voulez niquer le jeu, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est ça, il n'y a pas besoin d'acheter des bagnoles d'autres joueurs. Enfin, non, de revendre des bagnoles à 10-20 millions. Il n'y a pas besoin de faire ça, les gars. Attendez, vous pouvez. Et d'ailleurs, vous pouvez revendre toutes vos sextos et les mentos. Parce que je sais, c'est une voiture qui vaudra toujours de la valeur. C'est une valeur sûre, en fait. Voilà. Eh ben, si vous avez déjà une sexto et les mentos Forza Edition, sur une sexto FE, ben, vous pouvez la revendre pour une dizaine de millions ou en dessous de 10 millions. Ça dépend son prix parce que ça varie. Tu vois, parce que c'est un peu comme les bitcoins, ça varie beaucoup. Tu vois. Mais si vous pouvez vous faire un petit 7 millions par-ci par-là, c'est pas mal. Voilà, et dès que vous en avez une, avec les super V-spins, parce que à un moment, vous allez la ravoir plus rapidement que si vous en aurez déjà une. Parce qu'il y a une mécanique avec les super V-spins, les gars. Ça marche même avec d'autres bagnoles, d'ailleurs, qu'il y a dans les V-spins, tu vois. Mais je vous conseillerais de faire des bagnoles qui valent au moins 10 millions ou 7 millions. Voilà. Moi, personnellement, je pense que je vais la revendre à une dizaine de millions. Reste à voir si son prix a monté ou descendu. Plus de gens achèteront les Sensolimento, plus le prix va grimper. Et ça, c'est intéressant. En gros, plus vous farmez l'astuce, plus... Enfin, avec la Sensolimento. Faites pas une autre bagnole, hein! Moi aussi, je voudrais bien me faire de la thune. Voilà. D'où le fait que je fais cette vidéo. Voilà. Le rat. Le rat. Voilà. Voilà. Malin, intelligent. Voilà. C'est exactement ce que je suis. Et proche de l'homme. Si tu vois ce que je veux dire. Proche de la fortune aussi. Ouais. Non, parce qu'avec les Sensolimento, je suis passé de 10 millions à 50 millions en très peu de temps. Ah ben, c'est pour te dire que mon astuce, c'est pas mal. Et en plus de ça, vous risquerez d'avoir d'autres bagnoles que vous n'avez pas grâce au Super Whispin. Vous aurez peut-être une Trueno, qui c'est pour les gens qui aiment la Trueno. Vous aurez peut-être des voitures au Nikan de... Voilà. Ou peut-être la voiture de Kate Block, qui c'est. Voilà. Donc c'est ça, faites mon astuce. Voilà, elle est pas mal. Hein. Et en plus, mon astuce garantit que toutes les super Whispin va probablement rembourser la voiture. Tellement que la voiture est pas chère du tout. Vous aurez minimum 25 000. Et même si parfois vous aurez en dessous de 25 000, eh ben c'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, vous aurez des 50 000, des 100 000. Des 400 000, des 500 000, des... Voilà, tu vois.
Mais si vous êtes chanceux, vous pourrez gagner 1 million. Ou alors revendre une bagnole à 6 millions, tu vois, dans le Super Wii Spin. Tu vois. Je veux dire, à part la 7 étoiles et Mento, toutes les bagnoles que vous avez en double, revendez-les, les gars. Revendez-les. Enfin, je parle pas dans le shop, hein, mais je parle les revendre dans les super tirages. T'as compris, voilà. Si tu l'as en double. Voilà. Non, franchement, cette astuce, c'est vraiment pas mal. Ça me rappelle quand j'ai été sorti, quand genre, il y avait la même astuce avec la Wheelie ou la Supra. Mais les développeurs, ils l'ont patché. Donc, c'est ça, les gars. Si vous voyez cette vidéo le jour même, coupez votre connexion Internet de votre console ou de votre ordinateur. Et si vous êtes sous le Game Pass, validez votre connexion et dépêchez-vous de faire ça hors ligne. Ou alors de farmer pendant une semaine ou deux, parce que je sais pas c'est quand qui demande une connexion régulière. En espérant, c'est pas tous les jours, hein, sinon acheter le jeu complet. Hein, bon, enfin, j'ai pas envie d'inciter les gens à acheter le jeu complet, parce que je vais être honnête, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais après, vous avez, si vous êtes sur PC, vous avez des sites comme Instant Gaming ou même Gamevo sur console. Tu vois. Même si elles sont rares, les clés des jeux de maintenant, tu vois, je préfère mieux prévenir les gens. Hein, tu vois. Donc c'est ça, c'est mieux d'acheter vos jeux sur PC en démat. Voilà, tout simplement. Parce que je sais comment ça fonctionne sur console, mais bon... oui, c'est des clés volées, mais bon, vous faites comme vous voulez, les gars. Si vous les raquettez, payez plus cher, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce qu'avec le Game Pass, bah, le Game Pass, ça pue la merde. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti du Game Pass. S'il n'y aurait pas de connexion obligatoire et que j'aurais mes jeux, bah, je dis pas, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je rappelle que dans le Game Pass, ils rajoutent constamment des jeux. Et si tu coupes ta connexion, t'as plus accès à ces jeux-là. Enfin, oui, voilà. Enfin, aux nouveautés. Donc, si t'as un jeu qui te plaît et t'as envie de l'avoir gratuitement, bah, ça va, quoi. Ou alors, les développeurs, ils auraient dû réfléchir à deux fois avant de nous faire payer sur le long terme. Après, oui, quand t'as des jeux constamment qui sortent, ça, c'est pas rentable. Mais bon, après... moi, j'ai envie de te dire que Google Stadia s'est cassé la gueule. Donc, forcément, Microsoft vont se casser la gueule. Et s'ils n'auraient pas acheté l'entreprise Activision Blizzard, et bien, sur le long terme, ça aurait été rentable. Ça aurait été rentable. Tu vois. C'est ça. Moi, je suis peut-être pas entre... je suis peut-être pas spécialisé dans la finance, mais j'ai un petit peu des bases. Et je sais que mettre une entreprise achetée à 70 milliards, c'est jamais une bonne idée. Hein. Jamais. Même la meilleure entreprise de jeux vidéo. Ouais, parce qu'Activision Blizzard, c'est pas les meilleurs, c'est les pires. Mais quand je dis meilleur, c'est financièrement, évidemment. Hein, pour faire chier ta concurrence, c'est jamais une bonne idée. C'est pour ça, ces connards, ils virent des employés. Ils font comme le gouvernement français. Ils préfèrent mieux répercuter leurs bêtises sur les citoyens que sur eux-mêmes, en fait. Hashtag le canard est frais de terre. Voilà. Lol. Parce qu'il avait dit ça, je crois. Bon, c'est pas le seul à le dire, hein. Mais voilà.
Eh les gars, pour les gens qui me croyaient pas que les développeurs savent pas modéliser des voitures, eh ben écoutez ça les gars. Attendez, je vais même vous montrer. Ouais bon, je suis désolé si je farm. Normalement j'étais censé prendre. Enfin vous montrer comment obtenir des points de prouesse. Parce que moi j'ai ma technique comment faire ça. Tu vois. Bah je serai écouté plus tard quand j'aurai fini la vidéo. Allez voir la dernière les vidéos d'Equinox, vous verrez. Ah, c'est une caisse aux tuiles qu'on a gagné. Ah d'accord. Et vous croyez qu'elle est aussi rapide que l'autre bagnole de drague? Non, ça. Ça m'étonnerait, les gars. Elle fait pas 1400 chevaux et 1000 kilos. Non, non, ça m'étonnerait. Bon. Non, parce qu'ils ont sorti une caisse de drague. Du coup, celle-là, je sais pas si elle est de drague. J'ai l'impression que c'est juste une voiture pour se la péter. Faut pas être méchant, mais bon. Bon, moi, ça fait une voiture en plus dans la collection, pourquoi pas. Regardez comment est-ce que je farm mes points de prouesse. Et pourquoi est-ce que j'ai pris cette bagnole? C'est pour le multiplicateur de points de prouesse jusqu'à 8, les gars. Oui, je suis belge et je vous emmerde. Jusqu'à 8. Voilà. Eh ben, heureusement que moi, j'habite pas en France, hein, clairement. Bon, enfin, bref. C'est un autre débat. Pas ce qui concerne la vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, arrêtez de vous faire prendre pour des cons par les riches d'ailleurs. C'est pas la faute des immigrés, c'est la faute des riches. Voilà. Bah oui, c'est clairement. Ça, c'est mon petit conseil. C'est mon... Voilà. Alors, je dis ça pour les gens qui pensent encore ça, hein, que c'est eux le problème. Mais non. Ben non, c'est les riches le problème. Et aussi le gouvernement qui est en faveur des riches aussi. Genre en France. Heureusement qu'en Belgique, si tout va bien, on aura peut-être un parti de gauche qui va tout changer. Mais un vrai, hein. Un vrai marxiste à la limite. Et pas simplement un parti de gauche qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, si vous habitez en Belgique, votez le PTB. Hein. Voilà. PTB, PTB, ne pose pas de questions. Tu votes pour le PTB, tu la fermes. C'est tout. Communication ever. Voilà. Voilà. Et vous verrez que. Que vous aurez une augmentation de votre salaire hein, si vous faites ça. Voilà. Enfin, en plus que. Oui. Et peut-être une diminution radicale des prix au magasin. Peut-être. Peut-être. Ouais, parce que malheureusement, ça, ils pourront pas le faire, même s'ils sont élus. Par rapport aux produits étrangers. Parce qu'en Belgique, on fait pas notre propre camembert. Tu vois ce que je veux dire, on fait. Gouda, oui. Tu vois, le Gouda de Bruges. Enfin, t'as compris, voilà. Enfin, les sortes de Gouda. Mais sinon, à part ça... Enfin, bref. Bon, je parle un petit peu, juste pour farmer les points de prouesse. Alors, moi, j'ai ma petite méthode pour skipper... parce qu'à un moment, si vous vous arrêtez avec votre bagnole, justement, ça va vous faire... genre, des 1000, des 2000 points, des 3000 points... Au-delà des 60 000, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voire même 65 000. Voilà, vous faites comme ça, vous sélectionnez une épreuve, vous quittez l'épreuve, et là, normalement, c'est censé monter jusqu'à 10. Et vous faites ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en avez 200 minimum. Voilà, si vous en avez 200 minimum, vous pourrez vous faire un petit plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, les points... sont marqués ici, hein, le nombre de points que vous avez. Voilà. Et d'ailleurs, faites comme moi, mais mettez tous les points à cette voiture. Hein. C'est un petit conseil, si vous voulez que votre farm, l'investissement vaudra le coup. Voilà, ici, si vous n'avez pas cette voiture, ben, normalement, elle peut s'obtenir dans les super Wispies. Ou alors, vous pouvez regarder dans le shop, tu vois.
D'ailleurs, je vais vous montrer voilà, comment avoir cette voiture. Parce que moi, personnellement, je ne prends pas la Sesto Alimento. Je ne fais pas les épreuves de merde en online qui durent pas longtemps. Parce qu'il faut dire la vérité, les gars, je suis désolé, mais votre méthode est un peu éclatée. Moi, dans Horizon 4, je faisais la méthode que je fais ici. Sauf que j'avais pas la chance d'avoir des cactus, justement. Quand t'as des cactus, eh ben, ça va encore plus monter les points. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, du coup, prenez cette voiture. Hein. Alors, il y a aussi la pile pétrident qui peut monter jusqu'à 9, mais je vous la déconseille, cette voiture-là. Vous allez voir que ça va plus vous porter préjudice qu'autre chose. Hein. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille cette voiture. Voilà. Alors, je vais regarder ces... Alors, il y a deux modèles. Je sais pas si ça marche avec les deux modèles. Attendez. Non, c'est pas celle-là. Attends, c'est la Unicorn. Ah oui, c'est la Unicorn, c'est la grise. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la grise, hein, si je me trompe pas. C'est pas la noire, quoi. C'est ça. Là. Ah non, c'est la noire. Ah non, t'as la Unicorn normale ou t'as la Gymkhana 10 Ford. C'est la noire. D'accord. Ok. C'est la... Ouais, c'est ça, c'est la... Je pense que c'est la Unicorn V2, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, j'avoue, cette caisse est quand même rare. Du coup, je vous conseillerais de farmer les super pour les super... Oh là là, les super wheel spin. Les super tirages. Voilà, c'est ça. Voilà, elle est quand même rare. Bon, ça va, elle vaut pas, elle vaut quand même 2 millions. Bon, mais c'est un peu cher quand même. Hein. Bah après, elle vaut le coup, cette voiture. Mais bon, après, si... Heureusement, je suis pas quelqu'un de populaire, sinon le prix grimperait. Tu vois. On peut en avoir tellement facilement. Toi, c'est Wii Spin, on s'en fout, tu vois. Ils ont pas besoin d'être rentabilisés, tu vois. Ouh! Ah, je sais pas. Mafia Stunting, il a dit qu'elle était rare. Bon, j'aime pas Renault. Ouais, je suis méchant. Non, putain, bon, c'est pas grave, 150 000, ça va. Bon, bah, on va essayer de revoir notre Sesto Alimento. J'en ai 25. 25, 24 plus celle-là, si vous préférez. De super tirage. J'en ai 25, bon, c'est pas mal, 25. Pour 200 points de prouesse, 25, c'est pas mal. Et une Porsche 356. Pour la petite anecdote, j'en ai vu une en vrai, hein, de 356. Je sais pas si je suis chanceux. Bon. Oh, j'ai vu des tas de voitures, les gars. Des Ferrari, des ça. C'est normal, nous, en Belgique, on est mélangés avec les riches. Bah, c'est une bonne chose. C'est pas comme en France qu'ils sont séparés, tu vois. Ouh, une Ford Mustang. Une voiture que j'avais pas, en plus. Vous risquerez d'avoir beaucoup de bagnoles que vous n'aurez pas, d'ailleurs. Et le fait de revendre la Sesto Alimento... Ça va faire bugger le jeu et faire croire que vous l'avez pas. Et du coup, si j'en ai encore une, bah, je me refais 10 millions et voilà. Ou alors essayez d'en avoir tout plein et remettez votre connexion internet quand... Ce sera plus compliqué d'en avoir tout plein, mais voilà. Par contre, ne les supprimez pas de votre garage, les gars. Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de farmer beaucoup plus, quoi. De toute façon, vous allez voir qu'à un moment, vous aurez des bagnoles qui vaudront au moins 6 millions. Enfin, qui pourront se vendre dans les super... dans les super tirages, voilà. Si vous voyez que la voiture vaut plus qu'un million, et que vous l'avez déjà dans votre garage, si on vous propose de la vendre, c'est que vous l'avez déjà, ben, n'hésitez pas à la revendre. Bien évidemment, faut être chanceux, hein, évidemment.
De toute façon, moi, je les revends toutes. Hein. De toute façon. Même 100 000. Que du bleu. Ouais, je vous le dis, cette astuce est complètement abusée. Hein. En plus, vous remplirez votre garage, vous aurez peut-être encore des Woolly Spins si vous agrandissez votre collection de voitures ou de l'XP. Hein. Ah, j'ai vu une Forza. Oh, je suis passé à côté. Putain. Je croyais que je l'aurais, mais bon. D'ailleurs, regardez les voitures Forza Edition qui sont dans les super tirages. Combien est-ce que ça vaut, les gars? Ça peut peut-être valoir plusieurs millions. Hein. Ou dizaines de millions. Ouais. Oh, dommage. Il me semble que je l'ai, je crois, la scène de drift. Donc, c'est ça, il y a certaines bagnoles, ne les revendez pas dans le shop. Hein. Si elles sont en dessous d'un million, sinon... Non, parce que je pense que la scène Stolimento, elle est en dessous d'un million, je crois. Hein. Si tu veux la revendre dans... Enfin, pas dans le shop, mais dans...